Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je réalise une petite gouache d'une vue de la mer depuis la plage de Palombaggia en Corse. Vous pouvez voir la photo sur la partie droite, c'est un très très bel endroit. Et c'est aussi une photo qui est assez complexe, il y a beaucoup d'éléments différents, beaucoup de rochers qui sortent de l'eau, d'autres qui sont sous l'eau, même dans l'arrière-plan on peut voir les montagnes, les arbres, la plage, les baigneurs aussi, des bouées, des nuages dans le ciel, tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'on peut se sentir très vite complètement dépassé par ce nombre d'éléments. Et cette vidéo est pour moi l'occasion de vous montrer qu'on peut très bien simplifier, même je dirais qu'il faut simplifier quand on part d'un modèle comme celui-là, à moins de vraiment avoir pour objectif de tout représenter dans les moindres détails. Dans la plupart des cas, le fait de retirer les éléments qui ne vous intéressent pas permet de rendre le résultat final beaucoup plus clair, plus impactant. Et au final, ben, ça vous stresse moins aussi, ça vous demande moins de temps de travail, donc je trouve que ça n'a que des avantages. Donc vous m'avez vu réaliser ma petite esquisse avec un crayon graphite, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, j'ai créé mon bleu ciel en mélangeant outre-mer, bleu primaire et blanc de titane. Et puis, vous m'avez vu créer un gris avec rouge écarlate sans cadmium plus outre-mer, plus le bleu du ciel qui me restait puisque j'en avais fait un petit peu plus que nécessaire. À ce stade-là, je ne savais pas encore si j'allais revenir ajouter des nuages, revenir ajouter des arbres. Je me suis dit que j'allais d'abord peindre toute la surface de ma feuille et ensuite je viendrai ajouter les éléments que je désirais ajouter. Donc ça, c'est une première façon de faire. Ça permet d'aller vraiment du plus simple vers le plus détaillé et c'est un très bon moyen de se prémunir de la surcharge d'un tableau. Si votre but est d'avoir un résultat qui paraisse justement simple et clair, eh bien vous pouvez procéder de cette façon et au moins vous voyez le résultat dans toute sa simplicité et ensuite vous allez pouvoir venir rajouter de la complexité là où vous le souhaitez. Vous m'avez vu faire un petit liseré gris qui représente la plage. Pour bien faire les choses, j'aurais dû le faire un peu plus épais sur la droite pour lui donner un peu de perspective. Je ne l'ai pas fait. Et ensuite, vous me voyez créer le bleu turquoise de la mer. J'ai utilisé comme base l'hélio-turquoise de Schmink qui est absolument magnifique. Il est très tentant de l'utiliser tel quel, mais ça ne serait pas très naturel. En réalité, ces pigments comme ça qui sont très très colorés, il vaut mieux diminuer leur intensité, vraiment la diminuer si on cherche à avoir une couleur vraiment réaliste. Donc je lui ai rajouté le bleu du ciel qui contenait du blanc de l'outre-mer et du bleu primaire et je lui ai aussi rajouté une bonne dose de mon rouge écarlate sans cadmium pour vraiment rompre sa saturation pour le rendre beaucoup plus proche de la couleur naturelle de l'eau. Et je vais ensuite lui ajouter du blanc et créer des variations de façon à obtenir une surface hétérogène qui puisse rappeler le fait que l'eau n'a pas la même profondeur partout. À certains endroits, il peut y avoir des rochers qui se voient par transparence. Donc là, le but est de créer en fait la sous-couche de la mer que je viendrai ensuite travailler pour lui apporter les reflets de surface. Petit point matériel au passage, le carnet que j'utilise est le Watercolor Book de Annemühle, il est parfait pour la gouache. Les pinceaux sont de chez Léonard, ce sont les pinceaux Azur. Vous aurez toutes les références exactes dans la barre d'infos si vous me regardez sur YouTube ou bien dans l'article du blog si vous me regardez sur celui-ci. Et pour ce qui est de la peinture, hormis le turquoise de Schmink, toutes les autres couleurs sont de chez Linel, de leur gamme extra fine. Là, j'ai ajouté encore plus de rouge à mon mélange de turquoise et aussi un petit peu de ce jaune japonais clair. Le but est de créer un gris chaud
qui puisse me servir à faire le premier plan de l'eau, là où on voit que en fait elle n'est plus vraiment turquoise. En fait, elle est tellement claire et tellement peu profonde que ce qu'on voit, ce sont les rochers et certainement aussi du sable. Donc, on a ce beige qui domine. Donc, j'essaie de m'en rapprocher un maximum, toujours dans l'idée de faire la sous-couche de cet endroit. Et ensuite, je viendrai faire des rides et des reflets par-dessus. Exactement comme pour le turquoise de la mer, je commence par une couleur assez foncée et ensuite je vais venir lui rajouter du blanc et rajouter des zones plus claires de façon à créer un petit patchwork qui donne une sensation de mouvement, de variation de relief et qui me permet d'avoir cette bonne base pour travailler. Donc je lui rajoute un petit peu de jaune par endroit, j'essaie de le réchauffer, de vraiment bien observer mon modèle en sachant que ça reste quelque chose de très simplifié. Donc je ne vais pas du tout chercher à recréer l'infinité de nuances que je peux voir sur ce modèle-là. Je passe au premier plan, ces rochers orange que je trouve absolument magnifiques et j'ai ajouté beaucoup d'écarlate sans cadmium à mon mélange de bleu. Et ce bleu me permet de diminuer son intensité. Le blanc me permet de le faire également. Quand vous rajoutez du blanc, vous ne faites pas qu'éclaircir, vous diminuez également la saturation. Et j'ai un très gros regret pour cette partie-là, c'est que je n'ai pas vraiment suffisamment observé mon modèle pour constater que à l'extrémité des rochers, ils ont une nuance beaucoup plus jaune que sur la partie complètement inférieure de la photo. Et si j'avais fait un dégradé en créant un rouge plus jaune sur l'extrémité et qui se dégrade ensuite vers le brique au fur et à mesure qu'on descend, je pense que ça aurait été encore plus joli et encore plus lumineux. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je passe ensuite aux petits rochers pour lesquels j'ai ajouté du noir à ce mélange de façon à créer un marron très sombre. Et je l'ai fait dans un premier temps avec un seul bloc de couleur que je viendrai ensuite retravailler. Je suis toujours au stade de la sous-couche, c'est-à-dire que le but est de mettre en couleur la totalité de la feuille. Et là, je commence à créer les détails. J'ai décidé de commencer par les crevasses des rochers orange. Pour moi, ce rocher avec les stries qui contiennent du sable, c'est vraiment le point d'intérêt de cette photo. C'est ce qui m'a énormément plu. Je trouve que le contraste entre l'orange et le bleu turquoise est magnifique. Donc, c'est l'élément que je vais le plus détailler. C'est pour ça que je suis venue rajouter les ombres assez rapidement. Ensuite, je rajoute du blanc dans le mélange qui m'a servi à faire ces rochers et je vais pouvoir venir lui rajouter un côté lumineux pour que ce ne soit pas trop plat. Parce que là, vous pouvez voir que juste avec les ombres et la couleur locale des rochers, ça manque de relief. Donc je lui rajoute de la lumière là où je l'aperçois sur le modèle. Et ensuite, je viens fabriquer le beige qui va me servir à représenter le sable. Aucun intérêt à chercher à représenter avec précision chaque petite strie. Le but est de repérer mes stries préférées et de les représenter et d'improviser un petit peu. Mon pinceau est totalement sec lorsque je prélève du blanc pur et je viens très rapidement le passer par-dessus les stries les plus larges de façon à créer un effet granuleux qui m'aide à faire comprendre qu'il s'agit de sable.
J'ai ensuite repris mon mélange beige, je lui ai ajouté juste un petit peu de bleu et je suis venue commencer à créer des rides sur l'eau. Donc, ce n'est pas vraiment ce que l'on observe sur le modèle. C'est une façon de simplifier et de communiquer le mouvement de la mer. Donc, si vous voulez, c'est une façon d'habiller de manière esthétique et compréhensible par tous. Du coup, je crée ces rides avec différentes couleurs, différentes valeurs. J'observe mon modèle pour voir un petit peu où est-ce qu'il est judicieux de les faire plutôt foncés et plutôt clairs, sachant que souvent il y a un mélange. Et puis j'en profite aussi pour venir faire les ombres des rochers, de façon à bien les ancrer dans leur paysage et à leur donner plus de présence. En voyant le rendu à ce stade-là, avec le premier plan avec ce rocher orange et les reflets sur l'eau qui commencent à se former, là j'ai su que je voulais que mon arrière-plan reste simple. Donc je n'ajouterai ni nuages ni arbres parce que j'ai estimé que la partie inférieure du tableau était déjà bien assez chargée pour ne pas rajouter d'autres éléments dans l'arrière-plan. Et c'est toujours dans l'optique de leur donner plus de présence que j'ai créé un orangé très clair qui va me permettre de leur ajouter une face plus lumineuse. Là encore, c'est très exagéré par rapport à la photo. Le but est de maximiser l'impact visuel et aussi cet effet illustratif qui est donné justement par ces petites rides que j'ai créées à la surface. Il manque quelque chose pour que mon rocher de premier plan soit vraiment compréhensible et il s'agit de l'ombre qui est laissée par les crevasses là où le sable est venu se loger. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cet orangé plus foncé. Cela me permet de venir les souligner et de rendre cette zone-là plus compréhensible. Je viens ajouter des petits rayons avec du blanc pur sur les rochers. Et ensuite, je vais créer d'autres reflets sur la mer, beaucoup plus clairs que les autres, pour essayer de l'illuminer. Au-dessus du rocher rouge, en bas à droite, vous pouvez voir un bloc foncé. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai vu sur le modèle et que j'ai représenté sans trop réfléchir. Mais vous verrez qu'après, il va être recouvert parce que je trouvais qu'il n'apportait pas, voilà, il a été recouvert, il n'apportait pas cette lisibilité que je recherchais. On ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Sur la photo, c'est pas très clair non plus. Je pense qu'il y a une ombre portée et des rochers qui se trouvent sous l'eau. Donc ça, c'est typiquement le genre d'élément qu'on veut effacer pour le bien du résultat final. Et je termine par quelques touches, quelques petites marques qui peuvent suggérer des cailloux plus foncés sous l'eau ou des petites ombres parmi les clapotis de l'eau. J'en profite pour venir exacerber certaines crevasses avec un mélange foncé assez bleuté, ce qui va me permettre de créer un joli contraste entre le bleu de l'ombre et l'orangé de la roche. Et c'est ainsi que se termine ce tableau. Merci beaucoup d'avoir suivi sa création. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air si vous me regardez sur YouTube. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne peinture à tous et à très vite.